Stéphane Portery, donc moi je suis enseignant en génie mécanique, donc actuellement au lycée Monge, à Chambéry. J'enseigne particulièrement dans une section de BTS, conception et réalisation de carrosserie. Nous, on utilise en fait les moyens de conception, on utilise un logiciel qui s'appelle Katia, hein, qui permet de faire des formes complexes, et à partir d'une machine de prototypage par stratoconception, on est capable de faire des grosses pièces comme celle-ci, et très facilement pour un coût très modique. Alors, cette simulation d'aboutissage, c'est en thermoformant justement une pièce qui est quadrillée au départ, et ce qui nous permet d'étudier donc les allongements et donc d'avoir l'idée de la santé de la matière et des épaisseurs relatives. Et donc ça permet de simuler de manière bien très précise ce qui se passe dans la matière en aboutissage. On va thermoformer la pièce, d'accord ? Donc l'opération est très simple. Hein ? Il suffit de passer la pièce, de venir là. Et puis après, la machine est toute simple à utiliser. On repousse, on lance, on refroidit. Et puis, et voilà. Quand on a un moule en composite, eh bien, si on fait la moindre bêtise, on casse le moule et on est obligé de tout refaire, ce qui nous coûte une fortune. Donc qu'est-ce qu'on fait? Là, on fait un moule en thermoformage qui, le gros avantage, c'est qu'il est très facile à reproduire avec la machine. Et donc, pour un coût relativement raisonnable, on peut faire un moule où si les élèves se trompent, font une erreur ou n'importe quoi, eh bien, on peut le refaire, c'est pas trop grave. Et donc ce qui nous permet de pouvoir laisser les élèves beaucoup plus en autonomie et c'est beaucoup plus formateur pour eux et avec un risque financier qui reste raisonnable. Le choix de cette machine, il s'est fait sur plusieurs critères. Le premier critère, c'est sa capacité en termes de dimension, en termes d'épaisseur et c'était parfait pour ça. Le deuxième, c'est que ça ne soit pas une machine totalement automatique parce qu'on n'avait pas besoin vu qu'on fait du prototypage, on ne fait pas de la production. Et donc ça nous permettait d'avoir une machine beaucoup moins chère et beaucoup moins encombrante et beaucoup plus facile à utiliser pour nous. Ici on a une pièce qui est un peu grande par rapport à la configuration de la machine qui peut aller beaucoup plus loin puisqu'elle va sur 600 par 600. Hein. Là on a une réduction qui nous permet d'utiliser des petites feuilles. Mais cela c'est pas gênant puisque ce bord là qui n'est pas complètement formé va être de toute façon redécoupé. Hein. On n'a besoin que vraiment toute cette partie là de la pièce et on ne garde donc que cette partie là. Et on se retrouve, donc on est parti de ça, qui est en bois, et on arrive donc à la pièce définitive ici. Et avec un moule comme ça, on peut faire facilement à peu près 200 pièces.